avec Marceau, on va créer nos propres burgers. À Toulouse, on a des amis à nous qui tiennent un food truck. Le food truck s'appelle Les Mecs au Camion. On les a contactés, on a dit écoutez, on veut venir créer nos burgers dans votre food truck. Ils ont dit non. Chacun notre tour, on va passer avec Pierre pour créer notre burger, mais pas seulement. On va créer toute une DA autour du burger pour choisir qui va prendre burger à la viande ou au poulet, parce que ceux qui prennent des burgers au poisson, c'est ciao. Marceau ? Pile ou face ? Pile ou face, Chris ? Dis-le. Moi, viande. C'est pile ? J'ai viande. T'as poulet. Vous l'avez capté, moi je vais créer un burger à la viande et Marceau un burger au poulet. C'est pas seulement un burger, c'est une campagne marketing, de la pub, c'est ce qu'on veut. Ensuite on passera quelques jours pour vendre les burgers. Bien sûr vous aurez été mis au courant avant en story sur Instagram. Quand on vendra les burgers, on fera un compte de qui de Marceau ou moi a vendu le plus de burgers. Le gagnant pourra offrir à sa communauté un très beau cadeau. Marceau, qu'est-ce que tu penses du cadeau? On leur dit pas tout de suite, on leur dira après. Très cool. Cette vidéo est sponsorisée par Odoo. Sachez que Odoo va nous aider dans notre campagne marketing à Marceau et à moi. Donc merci Odoo de sponsoriser cette vidéo. Ok, donc les gars, là, va falloir qu'on crée un burger et un peu un thème ou quoi. Sacha dans la voiture m'a donné un thème qui peut être cool. Ouais. Old school. Qu'est-ce que t'entends par old school en fait? Bah en fait je pense qu'il faut faire des thèmes vraiment, tu sais, graphiques. Pour le visuel, ok, cool. Moi j'ai une DA en vrai que j'aimerais bien faire en mode cowboy. Il arrive dans le saloon, il se prend un burger, un vrai burger. En termes de couleurs, je vois bien rouge, jaune, marron, un modèle comme ça. Poulet. Ouais, du coup un truc assez frit, c'est pour pimper ton... Ouais, poulet. J'avais pensé au guacamole. Au guacamole c'est stylé, ouais. Ouais, moi c'est bœuf. Cheddar. Non, je veux que ça aille cœur. Ça aille cœur. Si c'est Far West, il y a un côté cheddar fumé, ça. Ouais, exactement. Ouais. Moi, je vois bien des oignons blancs, c'est haché hyper finement. Ouais. Tu mets les oignons sur la plancha, ça commence à caraméliser, tu envoies le steak, genre tu cuis fort et les oignons. Ça, ils s'imprègnent. Ils s'imprègnent. Le fromage au produit classique. Cheddar. T'aimes pas le fromage? Cheddar, ça va. Cheddar, basique. Donc, on a le pain, le poulet frit, le guacamole à la base. Est-ce que c'est possible d'avoir n'importe. Je sais pas, ça va être bon. Un n'importe pièce? Tu veux dire un truc pour marquer les chevaux là. Tu veux marquer Sacha ou les pains? Ouais, tu peux le mettre en version double ou triple steak, tu vois. Ça c'est lourd. Ah bah, il est là-bas, regarde. Moi je pense que c'est pas mal là. Et peut-être qu'on peut faire des frites, tu sais, un peu pimpées. J'aimais bien le côté, enfin après c'est toi, mais paprika fumé ou sel viking. Ou sinon des frites très grillées. Les frites très grillées. T'aimes quand ça grossit? Ok. J'ai déjà gagné, j'ai même pas joué. Mais pourquoi tu donnerais pas ton nom au burger? Mac S. Ouais, c'est stylé le Mac F. Faut le S. Alors la sauce, soit c'est un rappel du burger, soit c'est un truc à... Jamais tremper des frites dans une sauce guacamole. Mais t'aimes pas le fumé, non? J'ai l'impression. Non, c'est clivant. Ok, pas de clivage. Le truc le plus simple. Le but, c'est pas de Sacha. Ok. Du coup, vous mettrez la mayo par-dessus. Ouais, entrez comme ça. Ce serait pas possible justement de choisir la sauce de guacamole ou mayo? Tous les deux, ils sont dans le burger. J'aimerais bien l'idée des frites guacamole. Ok. J'ai envie de goûter, tu vois. Ouais, ça fait un joli burger. Hein. Ouais, est-ce que vous pouvez caler des petites propales qui sont horribles? Ouais. Tout ce qui est clivant, vous le mettez. Là, on fait celui de Marceau. La protéine de Marceau, c'était du poulet frit. 3 minutes 30, un friteuse. Ça se régale, impeccable. Ça va bientôt sortir. Petite pépite d'or. Bon, qui sont mimi, ils sont pas chouchou. Bien doré, petite mayonnaise travaillée avec du citron vert, de la sauce soja, l'emballage, une technique. Et la petite douceur pour Sacha, des pickles de graines de moutarde. Ça apporte un peu d'acidité, un peu de croquant. Fermeture des portes. Stock. Les amis, on est effectivement le samedi 25 novembre. C'est le premier jour de la vente de nos burgers avec Marceau. Alors donc le mien, c'est le Mac S, celui de Marceau, c'est la légende. On va les vendre aujourd'hui. J'espère que les gens vont préférer le mien. Je suis parti sur un truc, un burger smashé en mode Far West, en mode cowboy. On a aussi créé des sites internet. Ces sites, on les a créés grâce à Odoo qui sponsorise cette vidéo. Odoo, c'est le logiciel de gestion d'entreprise pour les PME qui offre un éventail d'applications incroyables. Par exemple, avec Marceau, on a choisi d'utiliser l'application site internet. Tu peux donc créer ton site gratuitement, l'hébergement et le support du site sont inclus en illimité. Et t'as le nom de domaine pendant un an. Tout le monde peut le faire, en plus d'être incroyable, ils sont dans l'air du temps. C'est-à-dire que tu peux créer ton site à l'aide d'une intelligence artificielle. Et les images qui vont être générées vont être directement en lien avec ton activité. Odoo peut être relié à ChatGPT. Comme ça, les deux, ils conversationnent entre eux. À l'heure où vous regardez cette vidéo, le concept est fini. Mais le site a changé, on a rempli un formulaire. Et si tu remplis ce formulaire, tu peux proposer des recettes pour l'épisode 2. Et en plus, tu peux être
tirer au sort pour avoir ta recette dans Les Mecs au Camion. Dites-moi si vous, vous aurez fait ma recette ou plus celle de Marceau, vous êtes plus Team Marquez, plus Team Légende. Là, je crois que c'est l'heure. Je crois qu'on a des happenings à préparer. Programme du jour. On vend des burgers. Lui, c'est Cowboy. Moi, c'est Old School. Sur mon site, j'ai fait un petit truc en mode mon burger, il a depuis toujours dans l'histoire, etc. Et une autre partie de la DA, c'est discréditer complètement le burger de Sacha, en fait. Tu sais faire du cheval ? Non, pas du tout. Moi non plus. Oh, fou ! La direction assistée, elle est mieux que sur ma Audi. C'est bien. J'ai rien à dire. Apparemment, j'ai un concurrent sur la vente des burgers. Ça va, Marceau ? C'est incroyable. C'est elle qui décide où on va, c'est pas moi. Je te visais sur ça. Ça, Marceau, ça va être vraiment une merde. T'as autorisé ça, toi ? Ils ont choisi des burgers de Sacha, Hanouna, Michel Sardou ? Il a fait quoi, Michel Sardou, de mal ? Bonsoir. Excusez-moi, vous avez pris quel burger ? Le Maquès. Merci, vous êtes fait partie de la team. Mais il a l'air incroyable, celui-là. Il est incroyable, frère. Et dites la vraie vérité. Dites la vraie vérité. Une large victoire pour Sacha. Ah, large victoire, mais incomparable. Je suis pas d'accord. Moi j'aime vraiment beaucoup les deux. Deuxième croc, il veut tout dire. Toi Sacha, c'est une Marceau. J'aime beaucoup. Il est citronné. On peut ne pas aimer, mais moi j'aime bien. Celui-là il est plus clivant. Moi j'adore. Celui-là il est universel celui-là. Vraiment, je suis plus sec au poulet, donc mon choix va quand même vers celui-ci. Ça, il est très bon, mais plus classique on va dire. Vous allez prendre quoi vous pensez ? On prend le Mac S. On fait moitié-moitié, on n'a pas décidé encore. Il y aura un Mac S entre vous deux ? Oui. Allez. Merci beaucoup. Bien manger le Mac S ? Non, ce sera un Mac Légende. C'est le guacamole avant tout. Goûte une bouchée. Tout le monde a croqué dedans là. Bah c'est vrai. Est-ce que tu vas partir de la team Cowboy ? Bien sûr. Franchement, dès que j'ai un Cowboy qui aime le plus. Et tu me dis oui, je te pose. Je vais acheter là. Je me fais acheter complètement. J'accepte. Voilà, maintenant le truc c'est que t'as pris le chapeau et maintenant tu peux prendre les jambes. Mais non, on est deux donc un chacun. Qui prend le maquette ? Moi. Et en tête ? En tête, ça vient de commencer. Mais je suis bien, mais t'es déjà en tête. Il est déjà en train de perdre. Putain, mais regarde tous les efforts que tu fais. Et là, j'ai ramené un cheval. Mais c'était ridicule. Dans les années 80. Peu importe, là tu racontes ta vie. La vie de ma mère quand off, il m'a dit en vrai le tien il est très très bien. Il est meilleur que le mien. Tu vas voir l'intoxication alimentaire que tu vas avoir ce soir, ça va te laisser souvenir. Tu peux prendre les deux ? Ouais, allez. Allez. Eh oui, le chapeau. Ça et après il demande à y prendre les jambes juste pour le chapeau. Il y a que des mecs à chapeau qui mangent des trucs au poulet, je suis dégoûté. Les amis, si vous prenez le Mac S, vous avez un chapeau offert. Mac S. Mac S, mon gars, chapeau. Chapeau! C'est pas du tout ça, hein? Non, en vrai, là, premier degré, hors truc, les vidéos, je kiffe. Le Mac S, la sauce, incroyable. 9 et 8. Ça m'évoque des souvenirs. Ce burger, c'est un câlin. C'est le visuel n'a d'égal que le goût. Ah, tu vas partir de la famille maintenant. La famille Mac S. En vrai, je pense qu'on remonte, on est pas mal. Ils sont tombe pas. Suffisamment poivré. C'est bon, très bon, bravo les gars, regardez-moi. Unboxing de l'intérieur de. Regardez-moi, c'est bien. Tu vois ce qu'il y a là, ça va être des pickles de moutarde, frérot. Ouais, ah ouais, ça arrache un peu. Le caviar, c'est comme de la merde. Voilà, et toi c'est bon. C'est bon. Tu le vois depuis tout à l'heure, c'est bon. Lance-moi ton petit chapeau là, ton petit chapeau de cowboy. Ah, c'est bon. On va aller faire nos burgers nous-mêmes de nos propres mains avec des gants. Merci. Oh, excellent, il y a les amortisseurs là. Là, je vais faire mon burger, ça s'appelle le Mac S. C'est le burger qui vient de l'Arizona. Tu prends ton pain, ça prend vraiment beaucoup plus. Il n'y a pas de commande à pain. Non, je suis sur la campagne, je claque avec ça. C'est vrai ? Non, Marceau, c'est pas maintenant qu'il faut mettre la sauce. Je l'ai trompé. Ah merde, désolé. Non, faut pas le laisser comme ça. Si, Merci. Ils vont plus jamais nous réinviter. On a fini l'ouverture de cette semaine de vente du Mac S de la Légende. C'était fou. Pierre, ma première question. À vue de nez, c'est qui
Je sais la réponse. Un Marceau a bien débuté en début de service, mais en vrai, je pense que le tien a percé vers la fin. Bah, après, j'ai vraiment forcé. Hein. Oui, j'ai forcé. Merci de le reconnaître. Merci, j'ai après, vraiment... t'es venu à cheval, ouais. Toi, c'est quoi que t'as le plus marqué quoi, dans cette aventure pour l'instant? Les sites internet aussi, je trouvais ça. Ils sont cool, hein? Ouais, vraiment très merci chouette. Merci Odou. Odou, ouais. Parce que là, pendant une semaine, les burgers vont être en vente ici même. Par contre, il y a eu quand même pas mal de commandes sur Uber. Ma caisse est légende, ouais, il y en a eu pas mal. Je vous dirai. Ce soir, on verra les briefs. On va attendre les résultats comme les audiences dans TPMP le lendemain. Samedi soir prochain, on se retrouve à la Friche. À la Friche, à Toulouse, ouais. Pour la soirée de fermeture. Et là, il n'y aura que nos deux burgers en vente. Je veux dire, il n'y a pas les autres. C'est vrai? Merci. Merci les mecs au camion, merci Odou, c'est pas fini, on se retrouve samedi soir. Let's go. On est avec Pierre, on va faire un récap avant cette dernière soirée où il n'y a que nos deux burgers en vente. Un récap un peu des scores. J'ai eu le récap, c'était 101 pour le Mac S à 86. Oui, je crois voir les jambes. On est comment? Parce qu'il y a des petites commandes du Berry. Donc moi ce soir j'y vais en détente. Là on en est, t'en as vendu 151 et Marceau en a vendu 129 pardon. Et donc t'en as 21 d'écart. En une soirée ici, combien vous vendez de burgers en général? Là ce soir je pense qu'on va en vendre 150 à 200. Ah oh, oui, donc tout est joué ce tout soir. Est, ouais, c'est rien. Tout est à jouer. Ah ouais. Ce soir, sachant que peut-être que Marceau a plus de chance ce soir parce que ici il fait chaud et donc ouais. Peut-être que le guacamole peut peut-être percer ce soir. On peut mettre du guacamole dans le mix. Mais tu vois, tu peux tout le temps changer ta recette, rajouter des steaks, mettre mes ingrédients. Arrête, mais j'ai vu, il y a des personnes qui ont demandé des maquettes. Pour cette dernière soirée à la Friche, c'est tout. Les 5 ventes, on va prendre un remontant. Toi aussi. On est chaud. Pour nous appeler, ne lis pas ce qu'il y a dessus, ça sert à rien. Ah ok. On commence comme ça, c'est le premier d'une longue soirée, on espère. Bonne soirée les gars. Merci, bonne soirée, bonne vente. C'est grave bon? Non. Alors, ça fait comment? C'est grave bon? Non. J'ai roté comme un cow-boy. Mais t'es pas dans le thème, là tu fous la... Oh, j'ai une surprise pour toi Marceau. T'as une surprise? Je me suis dit au cas où je perds, même si j'y croyais pas une seconde. J'ai fait ce qu'on appelle un coup bâtard, on peut dire. Ça me ressemble même pas. Fais un petit sourire de merde. Je peux avoir une légende s'il te plaît? Marceau, légende. Épicé. Il augmente tes stats tout seul, c'est honteux. Non Marceau. Ça touche la soirée. Non Marceau. Plein de monde là les gars, je stresse un peu. C'est vraiment daron de fou, tout est relancé. Parce que je te dis, moi pour moi, les gens aiment plus les burgers au poulet. Dites en commentaire, burger poulet, burger bœuf. Allez. Ça c'est la balade pour dire à du monde. Je prends des trucs. Ça a marché. Je les connais, c'est qui vont prendre. On ne prend que les frites. Là, j'ai des regards. C'était mes amis. Hein. L'ami ou le remontant, Pierre? En fait, il faut savoir, là, pendant qu'on parlait, on en a vendu 19 et lui 12. Donc là, ça fait 5-5, là, faut avoir 10-10. T'as mis quoi à l'intérieur? De l'eau. Marceau, il s'y connaît de ouf. C'est archi pas dans le bon sens. Ah voilà. Ouais, mais là, t'as pas les fromages. Oui. Regarde, hop, je t'envoie tout ça là. Je l'envoie comme ça, le chapeau. Ouais, il y a 4 S et les gens. Voilà. Sacha. Que pour moi là? Oui. Et Marceau non? Ah bah, pas encore. T'en as combien à faire? C'est chaud. J'en ai 4. 2. Là, on attend le smash burger. Et après, on met ça. Ah, c'est bon. En vrai, il est sauvable. Il est pas sauvable. C'est pour mon pote ça ou pas? Ouais! Vous allez prendre mon truc. Ouais, je suis l'eau pétillante. Elle pétille de fou quand même. Je trouve que ça marche pas, je vais demander à Pierre qui est en gauche. Ça va, tout va bien? Ça va, nickel. Hein. T'as une petite préférence? Bah, le S. Yes! Du premier coup! Let's go! On veut pas être mauvais, on a pas goûté les jambes. Ah, bah, les trucs. Ah, c'est horrible! Laisse-nous. Vous allez prendre quel burger? Là, je pense le S. J'ai coupé les fesses. Ouais. Et toi? Ouais, le premier aussi. Régalez-vous. Je vais l'afficher dans ma chambre. Les filles, j'arrive, ne vous battez pas. Bon, les gars, j'ai les chiffres. Total des ventes de la semaine plus ceux de ce soir. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a 62 burgers d'écart. Tu vois, c'est sûr que j'avais gagné. 60, non, ça veut rien dire. 62 burgers d'écart. Et
gens ont trouvé les deux burgers très très cool. Un peut-être était trop saisonnier, le guacamole, ça fait penser à l'été, les petites soirées, les... Ça sent bon. T'étais en avance de 20 burgers, ouais. Ok. Marceau, t'as vendu sur une semaine 190 Mac Légende. Et Sacha... T'as applaudi Marceau, bravo. C'est de la merde, mais c'est bien. Et du coup, Sacha, bah, 252 burgers sur une semaine. Merci, merci Pierre. Merci. Toujours un plaisir de collaborer avec toi. Yes. Et le maquet sera peut-être vraiment à la carte ou pas? Je pense que vous allez le retrouver dans quelques mois à la carte pour toujours. Plaisir de collaborer. C'est un plaisir de collaborer. Elle était longue la main. Non, en vrai, c'est fou. Putain! C'est fou. Est-ce que tu t'attendais? J'ai fait une recette mieux que toi, c'est classique ou classique. Marceau, t'as perdu. Donc, deux choses. Tu vas devoir manger le burger de mon choix. Ça, c'est ouais. En vrai, Pierre, merci. Les mecs, comme vous les retrouvez boulevard Jules Guedes, vous les retrouvez à tous les matchs de Toulouse au stadium, à tous les matchs du Stade Toulousain, à Ernest Wanon, à la Friche. Merci Odou. Vous pourrez créer votre propre burger en allant maintenant sur les sites qui est en description. Mon site, du coup, vous pouvez m'en gagner. Et là, il y aura un formulaire à remplir. Et dans ce formulaire, je tirerai au sort pour choisir la personne qui créera son propre burger à son tour chez les mecs au camion. Merci la meuf. Pierre, je te laisse faire l'outro tout seul. Tu te dis. Abonnez-vous, lâchez un pouce bleu, suivez les mecs au camion sur Insta. Et à bientôt.